Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve pour le petit RP taxi. Comme d'habitude, je suis flic et la voiture japonaise, c'est stylé. Et là, je vais me placer vite fait. Voilà, c'est bon. Salut tout le monde. Vous pouvez parler, les gars. Salut tout le monde. Salut. Ouais, salut. Je vais peut-être manger tout le monde, je sais pas. C'est le mec qui arrive. Vous me dites quand vous êtes prêts, les mecs. Hein. Petit tour. Titou, tu peux envoyer la suite. C'est parti les mecs. Titou, ouais, c'est bon, c'est ouais, parti c'est les gars. Bon bah bonne game hein. Bonne chance. Ouais, merci à toi, bonne game les gars. Et à toi aussi. Hein. Merci à toi aussi. Eh, c'est hyper stressant, on a parlé les mecs. Waouh. C'est ça, on parle pas, c'est ça. C'est un peu quand même. J'ai deux flics derrière moi les mecs. C'est sûr qu'ils vont pas avancer. Maxence. Ah. Fais gaffe, parce que Maxence... Ce qui est chiant, c'est qu'on peut rien faire. Maxence, en fait. Il prend les routes de campagne, il me semble. Et Titou, Titou, il va vers Cobber, lui. Pense. Parce que c'est quand les deux filles. C'est les deux routes. Et oh puis un merde. Je pense qu'ils vont prendre l'autoroute ou comme ça. Ah par contre, les gars, je sais pas. Ça sert à rien d'aller. Une fois, il y en a, il me l'a fait. Ah, ils ont doublé sur une blanche. Ça sert, les gars, ça sert à rien d'aller à Braille. À Braille. D'aller dans la forêt, parce qu'il y a aucun point de zone, vous à part vous balader, vous vous essayerez pas beaucoup. Donc voilà, donc les distances sont marquées sur les pages. Et faut aller là où il est beaucoup plus compliqué. Ouh, la carapace s'arrête. La carapace s'arrête deux fois. Ah, de me coller, toi. Hey. La mégane, mon gars, elle a coupé comme pas possible. Tu t'arrêtes, pour tout engager. La 45 est sur autoroute. Ouais. Ok, j'arrive. Je viens de franchir le virage en direction de l'île. Eh, j'y pense, y'a pas de lambeau. Le vent encore devant ça. Ouais, mais il faut trouver toute puissante après la 40. Je le vois, je le vois encore. Le problème, c'est que c'est Titou qui l'a tué sur la 45. Mon frère, il est chaud. T'as la 45, t'es là. Ah, mais d'accord. Le mec il a tourné au moment où je le double. Ouais, c'est pas possible, moi je pourrais pas la rattraper, collègue. La 45. Non, non, c'est... Non, je vais encore, je vais encore. Je suis à peine à 260. Il est en contre-temps. Yeah. Alors, c'est combien sur la route déjà? 130 maintenant. 180. Il a reconnu contre-temps. Je crois que j'ai regretté mon choix là en fait. Je vois un contresens. Ouais, t'aurais jamais dû faire ça au début. Peut-être à la fin. Mais... Il est sorti, il a pris la bretelle de sortie. Ok. Il est vers l'aéroport. Oh, il est déjà là-bas. Ah, d'accord. Merci, collègue. Oh, est-ce qu'on est dernier moment? Il va reprendre le terrain, il reprend le terrain. Ouais. Il a trouvé pour moi. Franchement, je pourrais pas rattraper. J'ai perdu visuel. Il a 10 secondes. Et il a repris l'autoroute. Il a repris l'autoroute. Il a repris l'autoroute. Je le vois. Il va vers la mine. Ok. Et merde. Il s'est planté. Il s'est planté. Il s'est planté. Oh, les bleus cons. Ouais. La mienne. Il va se prendre cher. Il a mis un cristal blanc en travers.
Fais la ligne. J'arrive. Je suis à même pas un kilomètre. Si c'est pour des graves, s'il en signe mieux. Je crois que ça fait 10 secondes là. Ouais, je l'ai perdu. Les gars, il y avait Faucon. J'étais pas loin de te prendre. Par contre, excuse-moi, ouais, on prend les routes qu'on veut. Hein. On prend les routes qu'on veut pour aller aux destinations. Ouais. Attends, je vérifie, je regarde juste la carte, c'est juste pas pour tricher, c'est pour voir si vous n'allez pas là où il faut pas. J'espère que. Non. Oh la Mégane! C'est bon? Oui, c'est bon, on va rentrer. Il y a pas de flic sur ma route là, sinon on va me faire pète. Oh, mais je fais pas attention. Collègue Trag, tu t'en sors? Ouais, ça va, t'inquiète pas, ouais. Ça ira, monsieur. Tu es où? Je suis à la sortie de l'autoroute vers la mine, je poursuis un éventuel suspect. Ok. Oh! Est-ce qu'il y a un collègue qui peut aller direction Coober et un autre qui peut prendre les routes de campagne vers le satellite? Vas-y, je prends Coober. Nickel, les gars. Je prends satellite. Il y a la 45 derrière moi. Ouh, ah, la livraison tendue là. Donc, je t'envoie les résultats. Hein. Voilà, la 45. Et il s'est pris une amende ou pas? Non. Tu me fais pas le calcul, Nitro, hein. Tu m'envoies juste ta. Ouais, ça marche, fait. Mais je peux rajouter ou pas Enfin, je peux me faire le calcul en 2 spi pour mon compte. Ah ouais, c'est... Hop, la 45. J'envoie juste au terminal, ok. Oui. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous avez tourné subitement comme ça, au dernier moment, par hasard? Vous avez... non, je... pas au dernier moment, mais j'avais prévu d'aller là-bas. Et vous voulez un petit peu lentement quand même, monsieur. Vous trouvez ça normal? Lentement? Ah oui, monsieur. C'est 80, comme vous êtes... derrière vous? Vous roulez un petit peu doucement. Vous avez pu me doubler, monsieur? Non, c'est une ligne blanche, monsieur. Et il y avait beaucoup de voitures qui arrivaient. Ce n'est pas une excuse, monsieur. Vous êtes un danger... Vous êtes un danger quand même. Vous étiez à combien, monsieur? D'accord. Bah, j'étais à 60 derrière vous. Et bah, il fallait rouler plus vite. Est-ce que... Attendez, est-ce qu'on peut vérifier la plaque du monsieur, là, s'il vous plaît? La centrale. Ouais, appelle la centrale, ok. La centrale, s'il vous plaît. Le monsieur, c'est qui? C'est Osiko Taxi. Mercedes A45. Mercedes A45 AMG, yes. 580YTB86. Yes, génial. Yes, génial. Tout est parfait. Est-ce que je pourrais écouter votre klaxon, monsieur, s'il vous plaît? Oui. Oh là. Lui, s'il s'est chopé. Klaxonnez normalement, s'il vous plaît. Ah, d'accord, excusez-moi. Ouais, c'est bon, le klaxon, tout va bien. Roulez un petit peu plus vite, s'il vous plaît, monsieur, pour éviter de créer des accidents. D'accord. C'est juste un avertissement, c'est rien pour cette fois. Vous étiez un peu lent, donc... Vous insinuez que je suis lent, monsieur? Non, au contraire. Vous cherchez les ennuis, monsieur, là. Il y avait quelqu'un devant. Ouais. Faites attention à ce que vous dites, monsieur. Je vous laisse une bonne journée. C'est juste un avertissement pour cette fois, mais la prochaine fois, je serai intransigeant. Vous pouvez y aller. Pas de soucis. Je conduis comme un porc. Ah, c'est quoi ce drift là que tu fais devant moi là? Ce départ en burn là? C'est pas un drift? T'as fait un départ en burn là devant moi, frère. Limite. Et avec l'embrayage, mec. Et alors? C'est pas une raison. Joue un embrayage, après on verra. Déjà que t'arrives pas en manuel. C'est pas une raison, frère. Demander une reconnaissance hélicoptère. Validé. Validé. Voilà. Tu veux être validé, d'accord. Reconnaissance du gars, je te juste la carte. D'accord. Hop.
Je crois qu'il y a des usagers qui prennent la route de campagne. Moi je suis positionné vers cette élite. Salut collègue. Salut. Hop hop là, 45, arrête-toi là deux secondes. Hop 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 hop. Oui. Rebonjour monsieur, à combien vous rouliez ici? Je crois qu'il est vénère. Non non, vous étiez à beaucoup plus que ça, j'étais derrière vous monsieur à 122. Et encore. J'aurais pu pousser un petit peu plus. J'étais à 120 monsieur. Non non, vous foutez de moi monsieur, j'avais du mal à vous rattraper à 122. Les chiffres si ne mentent pas monsieur. Vous faire de l'argent, vous pouvez hein. Donc pour ce petit excès de vitesse, je vous retire juste un point. Avec 500 euros d'amende, monsieur. Roulez aux limitations, pas au-dessus. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. En plus, vous avez cassé une barrière, monsieur. Hop, 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 c'est quoi ce drift, là? Hop, hop, délit de fuite sur la 45, AMG. Départ de mine. Ça. Départ de mine. Go to the... Je crois que c'est l'autoroute. La 45, tu t'arrêtes. Touché une fois, deux fois, bata. C'est juste le temps que je remette les gaz, tu vois. Il a coupé. Non mais mec, non mais... Ouais mais mec, si tu coupes comme ça aussi, le mec il coupe un PM de l'autoroute, frère. Interdit de couper les gars, pas d'arbitre. Ah ouais mais attends frère. C'est juste que... Sur la... Enfin... Non mais mec. Il est parti. L'attaque est en règle. Ah, c'est bonne nouvelle. Vous avez vu des points, voilà. Donc je vous dis vous pouvez y aller. D'accord. Et ben vous aussi monsieur. Bonne journée. Avec ce magnifique soleil. Avec de la pluie. Allez. Bonne journée, monsieur. Ah vous aussi. Ah sa mère. Mec, il y avait que dalle de route, t'as coupé au dernier moment sur le. Comme ça, d'où il y avait une route. Max, tu peux dire que je suis arrivé ici ou pas? J'avais déjà visualisé sur la carte, mec, il y a un petit chemin. Ouais, mais comme t'as coupé, frère. T'inquiète pas. C'est vrai, j'ai coupé en mode taxi, mais bon. T'inquiète pas. Alors. Les petits calculs. C'est connu pour moi. Ok, là je vais faire un petit. Un parking. Okay. Non mais dis-le pas mec, ce que tu fais. Ah bah je vais pas du tout faire une parking alors. Oulala. Mais non mais dis-le pas mec, ce que tu fais. Parle à voix basse dans ta tête. Parce que sinon après. Tu vois ce que je veux dire, on va te griller mec, on va t'arrêter direct. Ou parle à voix haute mais dans ta tête. Voilà. Après c'est un conseil. Si tu veux pas l'écouter, t'inquiète, non, hein, moi je suis preneur. Ouais, je pars tout seul, c'est chaud. Si tu veux je suis preneur frère, hein, je viens t'arrêter et tout. Sans problème. De toute façon on est déjà Tito, il a perdu 1000 balles frère. Non Ghost il est pas frère. Vu que j'ai fait un délit de fuite. Ouais je te l'ai vu quand même, je m'en bats les couilles. Je t'ai dit je serais intransigeant, t'as voulu faire le bâtard, pas de soucis. Y'a pas de soucis mon frère. Je vous l'ai dit. Vous faites tout. Oui. Quand on fait les outils, vous avez organisation. Je veux pas dire mais il y a du monde dans le serveur. Bah dirais. T'as dit je veux pas dire. C'est toi tu me tends des perches aussi. Non non pas. Non mais c'est Tito il m'a compris. Ouais moi aussi je t'ai compris. Bah, la preuve il dit qu'il y a du monde.
secteur mini, c'était. Ils sont presque. Il y en a pas mal à sauf, je pense. Non, j'ai dit 500. 500. Après, ah, je peux l'envoyer le montage. 500. On peut le couper, ça. On peut le couper, ça. Je vais le couper, ça. Je reviens. Un quatrième de chiffre. Ils sont tous sur l'autoroute. Pas qu'à tout compris, il disait que je suis sur l'autoroute. Ouais. Mais là, c'est un peu trop tard pour moi, tu vois. Ouais, ça va arriver là, c'est chaud là. 45 minutes. J'ai dit que PNJ qui se pose le dernier moment à tout le monde. C'est un bâtard. Bonjour monsieur. Bonjour. Je retrouve pour vous. Les papiers de véhicule, s'il vous plaît. Pas de magnifique. Merci. Je vous, a... vous savez pourquoi je vous arrête ou pas? Absolument pas. Vous avez dépassé le véhicule par la gauche. C'était exact, oui. Pourquoi vous faites ça? Ben, c'est que je transporte un cas de très important. Demande-lui qui c'est. Vous avez entendu la rumeur d'immigrés, de terroristes, tout ça? Oui, moi c'est une star de cinéma. D'accord, vous transportez pas de terroristes ou autre? Non. D'accord. Ça salirait ma belle Mercedes neuve. D'accord. C'est un problème. D'accord. D'accord. Non, c'est tout ça, j'ai un problème. Enfin voilà quoi, j'en transporte pas. Pour le dépassement par la gauche, je mettrai 600 et un fond. D'accord, pas de soucis. Merci monsieur, au revoir. Au revoir.
on sera noté, c'est tout. Ah ouais, t'inquiète. Oui, donc il y a deux heures par minute. Oui, je vais faire maintenant. Attends, on va juste à moi tête, je suis sûr de confier. Les gars, donc, retenez les avants que Tito il prend parce que j'ai pas moins de temps. Si si si, alors j'ai 520 points et 610. Donc côté 800. Petite salle de 800 et 2 points. Elle va mettre P. Parce que tu vas passer. Elle peut aussi de perdre. Moi je m'en fous des points. Bon, quand on aura plus de permis, on va rigoler. C'est pas grave, c'est que 1000 euros. Oh là, allez, mais lui, il veut... mais... A 45, tu t'arrêtes. A 45 sur autoroute, direction Stoppeur. Nickel, ok, on intercepte. Il est passé au moins à 200 alors. C'est un autre retour à vitesse. J'arrive pas sur. Tout chantier, on rentre dans le chantier ou on se peut se mettre juste à rentrer? J'étais 86. J'ai perdu la 45, mais j'étais 86 qui était à contre-sens direction nous. Il va m'appuyer. Ça fait bien, j'ai tourné à gauche. Enfin, à droite. Ça va être fort, il va mourir. Il est à contre autoroute. C'est un truc qui a appelé la GT86, j'ai plus peur quand tu gardes. Et j'y pense, on n'a pas de Lamborghini, nous. Ouais. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ah bah tant pis, on avait qu'à faire gaffe. Bon bah j'ai on n'a pas la brigade aussi. On n'a pas la BRI avec nous, c'est la... On n'a pas la brigade interne. On a la BMW sur tout ça. C'est ça. On a la Renault. On a la Renault Coupé. Sans quoi. Sans quoi. Ouh, la 45. Direction. Je freine juste. Ah bah ouais, je fais plus les bons freins. Mais j'ai mis les freins à 200% en même temps, c'est pour ça. Il a mis ça pour pouvoir freiner quand l'équipe les keufs arrivent. C'est ça. Donc, bonjour monsieur, coupez les contacts qui vous suivent les bonnes avec les autres de confiance qui vous concernent, s'il vous plaît. Tenez. Donc, je voudrais savoir. Ouais, bonjour. Bah, la politesse. Téléphone monsieur. Au volant, ça passe. Non. Ouais, je vous ai vu avec votre smartphone. Je déconne. Ça tombe bien, je connais pas. Savoir, bonjour, contrôle des papiers du véhicule. Bon, on dirait que vos freins sont hyper tendus, va falloir réviser ça. Je vais contrôler ce qu'il y a dans le véhicule. Monsieur, qu'est-ce que vous transportez? Personne très connue. Transportez-vous des personnes recherchées, de l'émigré? Non. D'accord monsieur, bon bah ce sera tout, faites cette révision très bon s'il vous plaît. Parce que là je suis en train de faire un gros carton dans le bon point, ça va se faire un gros décès, un gros accident, voilà quoi. Gros décès. Donc encore pas de soucis. Un gros décès. Ouais un gros décès au cas où il y a un gros accident. Ouais. Bon, vous pouvez y aller. Et faites attention sur la route, s'il vous plaît. Là c'est au contrôle technique. Charbonne, monsieur, s'il vous plaît. Ah ouais, attends, on sort du guerre. On sort du guerre. Pas de soucis, monsieur. Route de campagne, est-ce que quelqu'un peut aller sur route de campagne? J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde sur la route de campagne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Il y en a un, je le vois pas depuis tout à l'heure. Là. Est-ce que la centrale pourrait contrôler la plaque, s'il vous plaît?
De la 86, c'est une oui, Toyota si je me trompe pas. La 86 oui. XPIE 0157. Yes, génial, c'est exactement ça. Est-ce que vous pouvez me faire... Génial, est-ce que vous pouvez me faire écouter votre klaxon s'il vous plaît? Refaites un coup. Ça a l'air d'être en règle. Est-ce que... Ah, attendez. Monsieur, vous avez l'air de bien rouler pour le moment, donc vous étiez à combien? Vous étiez à limitation? Vous savez que c'est limité à 120 dans la campagne. Bon, là, on arrive en ville. Ouais. En ville, c'est à 80. Vous étiez... commencé à freiner un peu, monsieur. Vous étiez un tout petit peu en dessous, mais non, c'est bien. Non, non, mais c'est bien. Il faudra juste descendre à 80, c'est bon. Parce que là, on arrive à Surfer, à part si vous voulez prendre l'autoroute, voilà. Voilà, c'était tout, monsieur. C'était un petit contrôle de routine. Vous étiez pas en infraction, juste ça, voilà. C'est juste un petit contrôle de routine. Okay. Vous pouvez y aller, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Un Toyota, tu t'arrêtes? Ça fait peur, une Toyota, moi, ça me fait... Ah ouais. Parce que c'est japonais, c'est pour ça. Non, c'est parce que j'ai une Toyota. Bonjour, aussi. Monsieur. Bonjour, monsieur. Papier du véhicule, permis de conduire et clé, s'il vous plaît. Merci. Centrale, c'est pour la plaque de la GT86. De la GT86. Ah, ouais. Là, j'ai une couille là. Maxence BG, pour moi, il roule en Mazda RX8. Attends, c'est qui vient d'arrêter là? C'est moi, Maxence. Ouais. Non, c'est longtemps que je conduis avec la Toyota. T'avais déjà eu la RX8? Ouais, la RX8 c'était au tout début. Mais vraiment dans le tout premier. T'as changé de véhicule? Je sais même plus. Mais même tu le savais, de toute façon je te l'avais dit. Ouais. Ouais, je m'en souviens plus, c'est pas grave. Donc faut que je change ça. Donc faut que je l'appelle mon ordinateur de police. La plaque, dernière plaque connue est de 16-03-00. Ok, c'est bon. Et il a 8 points sur son permis. D'accord, merci. Vous pouvez klaxonner, monsieur? Bien sûr. Oula, ça passe pas déjà ça. Un cheval. Va falloir changer de klaxon, monsieur. De klaxon. Donc pour ça c'est 500 euros. Ensuite vous dépassez des véhicules par la gauche. Plus gentil, je vous mets 500 euros et un point. Ah oui, il y a des véhicules qui circulaient sur la voie de droite. Et ben vous allez passer par la gauche. Ah, sur mon écran il y avait personne. Ah bon, moi il y avait des personnes. Ah ouais, écoute, j'y peux rien. Vas-y. En tout cas, vous zigzaguez, monsieur. Ouais, si tu veux. Ah, bon, je me dis à chaque fois de préciser dans le message. Oh là là. Sinon, vous transportez quoi, monsieur? Parce qu'il y a souvent des transports d'immigrés et terroristes. Vous transportez pas ça? Non, non, pas du tout. C'est un simple agent qui travaillait sur Surfer. Du coup. D'accord. Jamais de quoi. Oh putain. Bon, bah, il y aura que vous le pas pète, monsieur. Là. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. La 45, j'en peux plus. La 45 sur autoroute, direction Surfer, depuis 1000. Trop de chance. Je supporte plus. Y'a un truc qui va pas là.